Nicolas, vous avez présenté Zach Hope dans le quintet de Longchamp. Comment cela s'est-il passé l'autre jour dans une liste tête? Le cheval courait très bien. Il nous montre qu'il est un peu limité pour monter la catégorie au-dessus. Sur un malentendu, on arrive à accrocher des 3-4e places avec du terrain un peu souple. L'autre jour, il a tiré, on a dû aller devant, on a mené la course. C'est pas un vrai stayer. Donc, il est quand même mieux qu'une course avec un peu plus de rythme. Le 2004 de Longchamp, ça sera sans doute beaucoup plus rythmé que le 3100 Saint-Cloud. Il ne court pas si mal que ça. On n'a pas pu approcher une 5e place, mais le cheval courait quand même très très bien. Valeur 46, handicap, n'a pas évidemment beaucoup de marge. Non, pas de marge, mais pas le choix des engagements. Donc on se réfugie dans ces gros handicaps parce que je vous dis, les 17, c'est un petit peu compliqué. Les gros réclamés, j'en ai pas à courir. Et voilà, les courses à condition, je peux plus courir parce que j'ai gagné déjà dans les courses D et courses B. Donc pas le choix des engagements, donc plutôt une affaire d'impression. D'accord. Et en ce qui concerne le terrain, qui sera probablement assez rapide C'est pas un souci. Il est mieux quand c'est un petit peu plus souple, mais il a déjà gagné bon terrain. Il a quand même beaucoup de choses pour lui. C'est un cheval qui fait tout à droite, à gauche, souple, jeune et lourd. Maintenant, il a déjà fait à l'arrivée en bon terrain à Deauville dans le même genre de course avec 4 kilos de moins, mais voilà, c'est pas le terrain qui va me déranger.